à cette procès qu'il ne pouvait pas, il faut les déchiffrer. L'image du miroir que vous voyez là, l'image du miroir plan que vous voyez là, c'est toujours lui l'image du miroir, c'est Dieu. C'est toujours lui l'image du miroir dans lequel se riche le dormeur quand il dort. Le dormeur, plus précisément le dormeur qui est quoi? Qui dort sur le long, qui ne dort pas sur son côté gauche, mais qui dort sur la moustiquaire. Il se riche en un miroir. Et les images de ce miroir, c'est ça qui sont les rêves. C'est comme ça. Hein? L'image, le miroir plein, lui ne parle pas, non? Il ne parle pas. Il est bien. Il est bien. Tout ce qu'il vous recommande, il vous recommande, il vous renvoie vers quoi? Il vous renvoie vers quoi? Vers le miroir du dormeur. En le cas c'est le dormeur. Il vous renvoie vers les rêves. Et tout le message ça. C'est pourquoi, quand vous restez devant lui, quand il pleut, vous faites une nuit, vous êtes occupé, papa ne parle pas de tonnerre. Vous dites quoi? Que le miroir plein seulement ne suffit pas. Il faut aller dormir. C'est comme ça. Non? Maintenant, oh, les conseils du quoi de les rêves, les conseils du rêve, les conseils de cette image de miroir là, il y a les rêves là, les conseils là, il faut les déchiffrer. Et pour les déchiffrer, on n'utilise pas la rêve pour les faire. C'est pas la rêve que tu utilisais avant, quand tu étais quoi, quand tu étais devant le miroir plat, le miroir physique, ou c'était beau là. C'est pas avec cette même règle là que tu vas déchiffrer les rêves. Puisque toi qui es devant le miroir plan, la méthode naturelle que tu utilises pour faire quoi pour ce que beau là, c'est la règle. Quand tu prends par exemple si c'est ici la tâche que le miroir t'a montré pour l'enlever, c'est la règle que tu utilises pour l'enlever. Tu joins quoi? Tu joins cette image là que tu as vu dans le miroir là, tu joins ça sur ton corps. Tu joins le correspondant sur ton corps. En faisant comme ça, en jouant là comme ça, c'est la règle que tu as été utilisée. Pour déceler l'image sur ton corps et puis l'enlever après. Si c'est une charité, il faut continuer. C'est comme ça, c'est la règle. Maintenant, avec la règle là, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas déchirer la règle, c'est pas possible. C'est pas possible. Avec la règle, seul, tu dois déchirer la règle. Parce que la règle là, c'est quoi? C'est la ressemblance. Vous avez une ressemblance, c'est la ressemblance. Alors que dans les rêves, ce n'est pas seulement les ressemblances qui sont dans les rêves. Ce n'est pas seulement les ressemblances, ce n'est pas seulement les allusions. Il faut faire pour des choses des rêves. C'est comme ça. Donc, il faut passer à quoi? À une autre méthode. Quelle est cette méthode-là? C'est quoi? C'est prendre le compas. Et tracer les actes du cercle qui se coupent. C'est comme ça. Et quand tu le fais, quand tu le fais, c'est-à-dire, c'est ça qui est déchiffré le rêve. Tu considères quoi? Tu considères ce que tu as vu dans le rêve là, tu considères ça comme des... Tu mets ça en écrit, ce que tu as vu dans le rêve, tu mets ça en écrit, et puis, tu fais quoi? Les mots là, tu fais quoi? Tu considères ça comme des signes, et puis tu déchiffres ça. Tu casses ça, tu déchiffres. Et quand tu fais ça, tu as réalisé la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Ainsi, tu as tenu l'image du miroir. Tu as tenu Dieu, tu as tenu l'image du miroir. Et Matthieu là, Matthieu que vous voyez là, qui est devant le miroir, il tient l'image du miroir. Parce que quoi? Il réfléchit en tenant quoi? En tenant le compas.
Réfléchissons à la volonté de Dieu et réfléchissons à nos combats. C'est comme ça.